Ce film est parfait salut les animaux fantastiques mais il est, il est très bien. Il est très bien. Ah, regardez. Je sais pas si ça va se voir. 20h20 le 19 novembre 2016. Et nous sommes le 19 novembre à 23h09. Autant vous dire que je reviens là tout juste du cinéma. Et je suis toujours très chamboulé moi quand je vais voir un film. Je suis tellement à fond dedans que j'ai du mal à en sortir à chaque fois. A tel point que je ne sais pas comment commencer cette vidéo parce que moi ça me tenait à cœur d'aller le voir et de vous donner mon avis. Parce que récemment j'ai beaucoup entendu d'avis de... qui disaient euh, ⁇ Ah ça pourrait concurrencer Star Wars en fin d'année, les sorties de ce film, ça pourrait être énorme et tout ⁇ Je me dit ⁇ Bon bah j'ai peut-être essayé de m'y intéresser ⁇ Surtout que je savais que c'était un préquel à Harry Potter. Mais en fait je m'attendais à rien de spécial de ce film. Et je pense que c'est la meilleure manière pour, euh, pour apprécier un film. Moi, je pense qu'il y en aura beaucoup qui seront déçus de Rogue One parce que beaucoup vont s'attendre à beaucoup trop de choses. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, pour les animaux fantastiques, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre On peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même pas mal de références à ce qu'on connaît de la saga Harry Potter. Je ne sais pas si vous entendez du bruit autour de moi. Mais il y a les voisins qui parlent assez fort. Bon bref, je vais vous parler d'une autre chose avant de revenir sur le film parce que là je suis encore un petit peu ennuagé. Il y a eu euh, le trailer de Rogue One. Du coup, j'avais l'air d'un autiste dans la salle, comme ça. <laughs> J'étais comme ça et je bougeais mes doigts comme ça dans les oreilles pour pas que ça c'est pour pas que j'écoute le bruit. Et J'ai réussi à ni le voir ni rien entendre. À part un moment, je crois que j'ai entendu parler de fille ou fils. Voilà, c'est tout. Mais peut-être que j'ai entendu ce qu'il fallait pas. Non mais franchement, à part ça, je, je n'ai rien entendu d'autre, mais j'avais bien l'air d'un con dans la salle pour, pour me cacher. Est-ce que je vais réussir à en venir au film Les animaux fantastiques. Donc je n'attendais rien de ce film, et il m'a complètement surpris. Comme je savais que c'était une préquelle à Harry Potter, je m'attendais à beaucoup de, de choses en rapport avec euh, l'univers d'Harry Potter, euh, voire même, et à défaut, m'attendre à un film un peu comme les Harry Potter. Mais ça c'est c'est pas voulu c'est inconscient hein euh, c'est à dire que je m'attendais à euh, je sais pas moi voir Poudlard euh, voir euh, voilà. ne pas être dans le monde des Moldus je me suis trompé à ce sujet mais mais c'était euh, c'était un jugement euh, inconscient hein. je veux dire là dessus euh, tu te dis tiens après quel Harry Potter bon bah voilà voilà je veux voir ça 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 et ça euh, avant que j'aille le voir je vais vous parle de mon état d'esprit avant que j'aille le voir euh, je me disais déjà c'est très con hein. Mais je n'aime pas le nom, les animaux fantastiques. Ça me fait penser à du Disney. Ça me fait, c'est pas aussi péchu que Harry Potter. Après l'avoir vu, il me plaît pas plus que ça. Hein. Euh, je suis pas en train de vous dire que ça y est, le film m'a fait changer d'avis sur le nom. Non, non. Enfin, après, peut-être que ça rend mieux en anglais. Mais il y a un truc qui est bien, c'est que on, on est directement dedans parce que euh, quand il y a beaucoup de, comment faire pour ne pas spoiler Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que dans ce film, il y a plus de magie que dans les 7 euh, Harry Potter réunis. Et finalement oui, on a euh, on a beaucoup de magie là-dedans. Et c'est pas c'est pas pour me déplaire, au contraire. Je suis pas en train de dire que dans les Harry Potter, on a trop peu vu de magie et c'était pas bien ou quoi que ce soit. Non non, non non, c'est juste que là justement on dé on découvre vraiment euh, ce qui s'est passé avant. Alors, ce film pourrait se suffire à lui-même. On pourrait le mettre hors des des Harry Potter hein. On se dit pas euh, à chaque fois en voyant ça ah oui tiens mais ça euh, du coup ça fait référence à ce qui avait été dit dans le film euh... non il y a très peu de choses comme ça voire aucune il y en a quand même mais je veux dire c'est pas c'est pas un lien direct quoi on se dit pas ah ouais mais c'est à cause de lui dans le passé qui a fait que plus tard ça a créé ça et ça ça ça, ça, ça tombe pas euh, sous le nez c'est pas visible quoi c'est pas euh, évident en fait, euh, au, au fil du, du déroulement du film, j'avais toujours plusieurs a priori qui ont à chaque fois été effacés par ce qui se passait après. Par exemple, je me disais euh, bon, le film, il est quand même bon enfant, euh, ça, ça rigole bien, c'est drôle, pour moi c'est une comédie. Et c'est tout, ça va s'arrêter là, et c'est très pour enfants, et c'est tout. Et puis finalement, bah, en fait, il te surprend quand même le film. Et euh, j'ai envie de dire qu'il y a un peu tous les ingrédients. Je, je fais tout mon possible pour essayer d'être plus objectif et de trouver quelque chose à lui redire. Il y en a forcément des choses à lui redire. Mais c'est dur Et puis, je ne suis, suis pas un fin critique de cinéma et je ne me considère pas comme tel. Moi, quand je vous fais des vidéos, quand je parle de films, c'est vraiment pas pas pour vous dire, bon, bah, euh, là, il y a eu un placement de la caméra qui était pas bien, là, il y a eu la gestion du suspense qui n'était pas bon parce qu'il n'y a pas eu une bonne musique à tel moment, non. Je ne suis, suis pas un juge des films. En fait, ce que je veux vous transmettre à travers mes vidéos, quand je parle de films ou d'autres choses, c'est ce que j'ai ressenti moi, personnellement. C'est mes ressentis voilà, pendant le film. Et après, ce que j'en pense au final. Et euh, ça tiendrait que de moi. Je vous dirais, le film m'a complètement enchanté. Tout ce que je peux attendre d'un film, tous les ingrédients y étaient. Le tout mélangé était succulent. J'ai pris mon pied. J'ai la peau du ventre bien tendue. Et salut Je n'ai plus rien à vous dire. C'est pour ça que je galère à, vous, à trouver à vous dire quelque chose. Parce que euh, si je vous dis vraiment ce que je pense, je vais ne faire qu'encenser le film. Je ne vois pas trop d'intérêt. Parce que, au pire, allez le voir. Parce que si, si j'encense trop le film, vous allez vous attendre à un truc. Euh, je vais placer la barre beaucoup trop haute. Et vous risquez d'être déçu. Or, j'ai pas envie de vous gâcher ça. J'ai pas envie de trop vous en parler parce que c'est une petite perle. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans, dans les films habituels. Le héros, on ne passe pas notre temps à essayer de savoir ce qu'il est, ce qu'il a fait. On l'apprend au fur et à mesure, mais on en, on en apprend très peu. Et en fait, le héros, il est pas si central que ça au film. C'est pas lui qui fait tout avancé, c'est pas lui qui, qui résout tout, c'est pas... Je me demande même s'il y a un héros. Bon, il est présenté en tant que tel, en tant que... On va dire qu'il y a, allez, il y a trois grands protagonistes qui peuvent être assimilés à Harry Potter, Ron et Hermione. C'est tout. Après, ça, ça se détache pas mal, même énormément. Et, et vraiment, ce, ce héros-là, il est putain de charismatique. Et il est différent de tout ce qu'on peut voir d'habitude pour un héros. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire... Mais j'ai pas trop envie de vous en apprendre sur lui. Dites-vous bien que ce sera pas un héros qui sera là, ouais, salut, moi, je suis super badass, oh, regarde, deux, trois petits coups de baillette, et regarde, je résous tous les problèmes, et voilà, et... Attends, à la fin, je me bats contre un gros, gros monstre, et je triomphe <laughs> C'est pas, c'est pas du... Euh, c'est pas du héroïsme. Vraiment, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du héroïsme. Le, le, le mec, il est... Ah, j'ai pas, pas envie de vous en parler. Mais vraiment, j'adore. J'adore ce héros. J'ai envie de le revoir. J'ai envie qu'il y ait une suite. Pendant, pendant un petit moment, euh, bon, j'ai essayé de pas trop vous en dévoiler, hein, mais pendant un petit moment, je me disais, mais est-ce qu'il y aura une suite Est-ce qu'il n'y aura pas de suite Je me suis pas trop informé, même pas du tout, sur le film. Bon, après, j'ai appris que euh, ce serait une trilogie, apparemment. Mais je me demandais comment ils allaient faire pour faire une suite et tout ça. Et puis, finalement... Euh, à la toute fin, tu te dis ouais peut-être, ok, ok, ok. Mais je vous en dis pas plus. Mais vraiment, c'est euh, si on s'attache, on s'attache vraiment. Alors, je me suis un peu moins attaché au personnage féminin. Bon, elle est plus lambda quoi. Le deuxième rôle masculin, euh, très drôle, très 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 très, très drôle. J'adore. Je m'y suis attaché, pas autant que le personnage principal. Et après, la deuxième personnage, le deuxième personnage féminin, on voit beaucoup moins. Hein. Mais euh, marrant aussi je, je, vous en, je vous en dis pas trop hein, franchement c'est pas le but c'est pas de vous spoiler. Et autre chose aussi qui est vraiment différent c'est euh, la chose contre ou avec lequel ou lesquels ils se battent. Je vous spoile pas en vous disant ça après tout dans un film il faut qu'il y ait un élément perturbateur. C'est obligé. Et bien souvent, bah, dans les films qu'on nous ressort à toutes les sauces aujourd'hui, c'est euh, des gentils contre des méchants, il y a un gros combat, c'est fini. Tout va bien, tout est nickel. Je ne dis pas que ça se finit mal ou que ça se finit bien, ok Je ne vous, vous dis rien là-dessus. Je vous dis juste que ça casse ce schéma-là. Et voilà, en fait, tout ça pour vous dire que c'est génial d'avoir un film qui brise tout, tout, tout ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Et si je ne veux pas trop vous en parler, c'est tout simplement parce que je veux vous laisser profiter de, 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 de cette chose-là qui est, qui est si innovante. Alors, je sais, ce n'est pas un film à la base, c'est un livre de J.K. Rowling. Mais beaucoup de films sont, sont basés sur, sur des films. Hein, pas, là n'est pas la question. Moi, je vous parle du film. Franchement, J.K. Rowling, elle est, elle est impressionnante. De par ses idées. Et même n'ayant pas lu le livre, je ne peux pas dire qu'il est bien adapté. Mais en tout cas, c'est un bon film. Enfin, c'est un très bon film. Enfin, c'est. C'est une belle œuvre, un film, c'est trop. Enfin, dire film, c'est pas assez. Non, c'est quelque chose qui, qui est au-dessus et au-dessus de ce qu'on nous fait aujourd'hui. Et ça, ça fait du bien. Vous voyez, quand je vous parle de Uncharted pour les pour les jeux vidéo, où je vous disais, quand je vous avais fait une, une critique sur enfin, une critique sur Uncharted, je vous disais putain, mais ça ça fait du bien. C'est c'est des petites choses comme ça qui sortent du lot et qui vous font du bien. Ben ça c'est pareil. J'espère que Rogue One me, me, me donnera la même impression. Alors après c'est on, on jouera dans une cour différente. Ce sera un film de guerre donc forcément il s'inscrira dans un cadre. Je suis d'accord. Mais non mais vraiment vraiment les Animaux Fantastiques il est super bien et euh, je veux vraiment pas vous gâcher le, le plaisir d'aller le voir et de tout ce que de tout ce que vous allez pouvoir vivre en, en regardant ce film c'est vraiment c'est vraiment top. Évitez de trop en voir. Bon, peut-être que vous avez déjà vu trop de trailers, je sais pas, c'est dommage. Moi je, je n'ai rien vu. Je n'avais rien vu de ce film, vraiment rien vu. Non, il m'a beaucoup plu. J'étais pas parti pour le voir à la base. Et finalement, bah, j'y suis allé parce que bon, il y en a beaucoup qui en parlaient. Je voyais des affiches partout. Donc vraiment pas déçu de l'avoir vu. Je m'attendais pas à voir un énorme film. Je m'attendais à ressortir en disant bon bah voilà, bon, bon, bon petit film. Voilà. Mais non, franchement, il a un potentiel fou. Super potentiel. Non, je pensais... Je me disais, c'est pas possible que le film, je puisse m'attacher autant qu'à Harry Potter. Harry Potter, c'était vraiment particulier. Je dis pas que je me suis attaché autant qu'à Harry Potter. À vrai dire, j'en sais rien. On peut pas savoir ça tout de suite. On peut pas avoir euh, tout d'un coup, quoi. On peut pas se dire tout de suite en sortant du film, bah ouais, ça y est, je me suis attaché. Non, ça tu le sais, tu le sais après, tu le sais quand il y aura les suites, quand les années passeront. Tu sais à ce moment-là si tu t'y es attaché ou pas. En tout cas comme première impression, vraiment chouette. Pff, super. Non, j'ai rien à dire d'autre. Qu'à vous conseiller d'aller le voir, franchement. Hmm. C'était un super moment. 2h10, euh, génial. Non, non c'est vraiment génial. Je, je sais pas quoi dire d'autre. Je suis désolé, je suis assez. Je suis assez perturbé par ce film qui m'a drôlement, agréablement surpris. et... Et là, je suis B.A. et je ne sais quoi dire. Voilà. Super film. Vraiment. Très, 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 très bon. Allez-y. Allez-y les, les yeux fermés. Vous allez passer un bon moment. Surtout si vous aimez l'univers d'Harry Potter. Si vous êtes fan d'Harry Potter, euh, ne vous attendez à rien de spécial. Euh, Allez-y comme ça et, et profitez de ce moment qui y a encore un film dans cet univers d'Harry Potter. Et c'est cool. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. D'ailleurs, je trouve que j'en ai... En fait... J'en Je vois la vidéo, elle dure pratiquement 20 minutes. Je me dis, mais pourtant j'ai l'impression d'avoir rien dit. quoi. <laughs> je suis désolé, j'ai tourné autour du pot. Bon, voilà. Ce sera ce que ce sera, cette vidéo. Vous la prendrez comme telle. Allez, bon. Je ne vais pas continuer à meubler. Euh, allez le voir. Voilà. Prenez ce ticket là. Voilà. Je vous le donne, OK? Prenez-le. Et, et allez le voir. Allez, bah, retournez bien à vos occupations. Et ciao à tous.